À la demande générale, on réenchaîne sur cette magnifique intro qui est faite sur rien d'autre que la meilleure musique Amiga du monde. Eh oui, vous l'avez plébiscité, hein. Ne faites pas les innocents. Vous en avez redemandé, donc maintenant vous allez en manger à chaque stream, hein, s'il faut. J'exagère un petit peu puisque pour ce nouveau numéro de The Big Gamowski, on va se faire à nouveau un shmup vintage et c'est pour ça que je vais me permettre de laisser la musique puisque de son il n'y a pas dans cette émulation plus ou moins réussie qui laisserait sous-entendre qu'il n'y avait pas grand-chose comme son sur la borne à l'époque non plus. Mais sans plus attendre, lançons la petite victime du jour qui a un super nom à rallonge en japonais. Et que nous, on va simplement baptiser Météor. Et je me suis planté dans mon lancement, j'ai pas lancé le bon émulateur d'un obligé d'écouter cette musique, mais merde alors. Je suis vraiment désolé, c'est à croire que c'est pas fait exprès. Alors pour les gens qui débarquent, je vous invite à consulter le stream précédent, vous aurez l'explication à propos du Private Joke. C'est parti, la bonne émulation cette fois, et on se lance Daisa. Daisan Wakusai. Meteor. Non, on va t'appeler Meteor parce que ça fait un nom de bière, c'est vachement sympa. C'est bien suffisant pour ce qu'on va faire de toi. Est-ce qu'on a l'image? La régie? Ah oui, eh oui, il faut l'image. Oulala, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un gars qui s'est dit, moi, je peux faire un programme qui fait du serious handle. Je peux faire un programme où, en fait, on va faire chauffer le CPU à 4 MHz, 4 Hz, pardon. Oui, je m'emporte, et oui. Et donc, je suis capable d'afficher non seulement des aliens, mais en plus le vaisseau du joueur, mais en plus des obstacles, mais en plus les tirs, et en plus une planète Terre au milieu, on ne sait pas pourquoi. Le tout avec quatre couleurs en simultané. Donc, ils peuvent aller se coucher, quoi, les mecs avec le Space Invader. On va voir, gros prétentieux, si tu avais bien pensé dans ta tête de développeur. C'est moi. Eh oui, et je vais au boulot, là. Hop. Eh oui, non, mais c'est un métier de flinguer des extraterrestres. Hein. Et vous croyez quoi, les gars? Hop, hop, ça passe juste, hein, quand même. Alors, la fin du jeu, apparemment, c'est de se déblayer un espace pour pouvoir bouger convenablement, horizontalement, sachant que, comme sur tous ces vieux jeux, bah, votre tir, il est... Wow, je feinte. Dommage. C'était une belle feinte. Ah, mon... Jolie trouvaille. Mon vaisseau n'est pas détruit du premier coup. Je pense qu'il faut 3 coups avant de le pourrir complètement. Ça passe. Oh, le leeching! Le leeching, les gars! Oh, trop bon! Je sens que je gère. Je sens que j'ai une maîtrise assez pointue de la situation. J'ai fait mon petit couloir de percée. Maintenant, je vais attendre que ces abrutis se présentent un à un. Bien gentiment. À l'abattoir, comme on dit. Là, je peux bouger tranquille. Je peux esquiver. Je vais surtout pas me déplacer d'ici, tu vois, gars. Eh non. Parce que vous avez vu quand même les. QA, ma hitbox, c'est quoi? C'était pas le pixel du milieu? Ah, il faut que je regagne ma base, je ne peux plus tirer. Oh, la musique de ce jeu est magnifique. Comment ça, c'est pas la musique du jeu? Ok. Vas-y, répare. Ah, mais quand tu répares, ça leur laisse le temps d'avancer leur plan d'invasion maléfique. Ah! Je l'ai vu venir celui-là, mais je sentais pas l'esquive. Piou, piou, piou. Alors oui, vachement bien par rapport à un Space Invader. Je vous rappelle qu'on est en 1979 les Amish, donc faut savoir être un minimum tolérant. Ceci dit, c'est mou les gars, c'est mou. Ah, les cognos, ils vont se passer là-bas, ils vont venir me massacrer la gueule. Je vous ai repéré. Alors ce mix entre centipède et ouais, un Space Invader, c'est super bizarre. Il remonte. Ok, ils suivent les contours. Bah moi, je vais attendre comme à la foire du trône. Wow! Don't shoot me! No! I'm good! S'ils vont pourrir ma base, je sens que c'est le game over. Je sais pas pourquoi.
Mais bon, là-bas, c'est un sac de cul, on va dire. Oui, c'est un terme technique pour décrire les endroits sans issue en termes shmup. Chose qui arrive très rarement parce qu'en général, on scrolle sévère. Ça va être la merde pour moi. Ça va être la fin, je sens. Ça va être ma fin. Q.A. Yes, but my base is going to be invaded. La fin du monde, mais quelle tragédie, mes amis. Je sais pas si... Oh bah, il te sort direct du jeu. T'as pas fait de escort, rien, tu dégages. Et là, t'as le bambin en larmes qui se retourne vers sa mère. Les yeux complètement embués, prêts à laisser tomber de chaudes larmes si cette dernière ne cède pas la main au porte-monnaie. Bravo messieurs, très bon jeu. Donc je vais redire ton nom en entier quand même parce que c'est rigolo. Daisan Wakusai Meteor. Tu n'es là, pas validé. Par contre, dans le musée, on va te mettre sur les étagères du dessus. Parce que, mine de rien, il y avait une belle tentative de renouveau de gameplay dans tout ce qui était jeu de petits vaisseaux qui tirent des boulettes. Et ce jeu a parfaitement mérité d'exister. Et c'était peut-être un petit bonheur pour les gens qui, à l'époque, le croisaient entre deux modes de foin et un bœuf au salon agricole du coin. Sur mes médisances habituelles, je vous fais les salutations de fin de stream qu'ils se doivent. Et je vous dis à demain, 19h. N'hésitez pas à foncer sur la chaîne, enfin sur la chaîne, sur le Twitter de @TheBigGameOski. Ça s'exprime beaucoup mieux. Il y a des infos en plus, des bons plans à partager. Et en plus, aujourd'hui, regardez, c'est écrit en bas de l'écran. C'est juste magique. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres aussi, c'est important. Ciao. Il n'y a plus la musique.